Mes amis, nos sages disent que l'ânesse qu'elle a conduit, Bilam, c'est l'ânesse que Hachim il a créée le vendredi soir avant Shabbat. Ça veut dire que vous savez que Hachim a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Hachim s'est reposé. Mais il y a 10 choses que Hachim a créées quelques minutes avant Shabbat. Et parmi les 10 choses, c'est l'ânesse que Bilam Arasha, il a utilisée. Parce que c'était une créature spéciale, parce qu'elle a parlé. Hachim, il a créé Péa Atom. Ben, c'est pas possible. L'ânesse, un animal ne parle pas, il n'entend pas de conversation. Elle, elle a parlé. Mais mes amis, je voudrais vous dire une chose. Quelle est la raison pourquoi Hachem, il a fait, il a créé ce miracle-là et il a donné la force à l'ânesse de parler? Quelle est la raison pourquoi que Bilam, il a une ânesse et il va lui faire mal, il va serrer son pied contre le mur. Il va la frapper, elle va accepter. Non, elle a parlé. Alors, la première chose qu'il lui a dit, pourquoi tu me frappes? Voilà, comment ils discutent. Et Bilam lui dit, je te frappe parce que tu m'as fait mal au pied. Voilà, une discussion comme ça. Et il lui dit, mais quand même, je ne te comprends pas. Tu veux aller insulter les Juifs, ceux qui vont fêter à Jérusalem les 3 fêtes de l'année, Pessah, Shavuot, Sukkot. Avec toi, la question se pose, quelle est la raison pour que l'ânesse ait dit ça à Bilam? Quelle est la raison? Et ma deuxième question, quelle est la raison pourquoi Hachim, il a créé la bouche de l'ânesse pour qu'elle parle la veille du Shabbat, le jour de la création du monde? Quelle est la raison? Mes amis, vous pouvez savoir une chose. Lorsque les Juifs ils étaient dans le désert, malheureusement, pendant 38 ans, ils n'ont pas fait de Brit Mila. Pendant 38 ans, ils n'ont pas fait l'agneau pascal, ils n'ont pas fait les sacrifices de Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Et pendant 38 ans, ils étaient sans circoncision. Parce que le bon Dieu était en colère contre eux, parce qu'ils ont critiqué Israël. Pour vous dire que c'est péché de critiquer Israël. Ceux qui critiquent Israël, c'est grave. Parce qu'Israël, c'est... La terre d'Israël, c'est une terre qu'elle est sainte. On ne peut pas critiquer une terre qu'elle est sainte. Et ceux qui critiquent Israël, la terre d'Israël, comme s'ils critiquent la Torah, comme s'ils critiquent le bon Dieu. Mais le fait qu'ils ont critiqué, il leur a dit, je ne veux pas de votre alliance. Vous savez que lorsqu'on fait la circoncision, c'est une alliance entre Dieu et les Juifs. Et Hachim a dit, je n'ai pas besoin de votre alliance. Pendant 40 ans, vous êtes restés ici dans le désert. Alors maintenant, ils n'ont pas fait les fêtes. Comme la fête de Pessah, ils ne l'ont pas fait en complet. Alors maintenant, Bilam s'est dit, puisque les Juifs, ils ne font pas la fête en complet, donc je peux les tuer, je peux les maudire. Alors, l'ânesse s'est dit à Bilam, hé, hey, Bilam, t'es fou, mais tu sais très bien que Hachim va leur pardonner. Il va rentrer en Israël, dans la terre d'Israël, et là-bas, il va construire le Bétamigdash, et là-bas, il va apporter les sacrifices. Les 3 sacrifices de l'année. Le sacrifice de Pessah, de Shavuot, et de Sukkot. Ça veut dire que c'est la raison pourquoi Kachrin a voulu envoyer ce message par l'ânesse à Bilam pour décourager Bilam de ne pas maudire les bénis d'Israël. Et malgré tout, il a voulu les maudire. Même que les bénis d'Israël étaient déconnectés d'Hachem par rapport à l'alliance qu'ils n'ont pas fait avec Mila, c'est-à-dire pendant 38 ans, malgré tout, Kachrin les a protégés. Et pour cela, Hachim, il a créé la bouche de l'ânesse, il lui a donné la force pour qu'il puisse parler. En général, à la bataille, vous savez pourquoi Hachim, il a créé vendredi, la veille du Shabbat? Eh bien, mes amis, c'est parce qu'on dit que le Shabbat, c'est le jour que Hachim, il multiplie ceux qui étudient la Torah. Ceux qui étudient la Torah une heure le Shabbat, comme s'il a étudié 10 000 heures de Torah pendant... Bon, vous imaginez, c'est multiplié par multiplication.
Parce que si moi je donne un cours de Torah d'une heure à 400, 500 personnes le Shabbat, eh bien, comme si j'ai étudié 1 million, 2 millions, 3 millions de fois, 3 millions d'heures, vous imaginez, c'est multiplié, triplé. Et c'est la raison à Bodhaï pour Hachem, il a voulu dire à Bilham, Bilham, la seule personne qui peut parler, c'est l'être humain. Et voilà, j'ai donné la force à la naisse de parler. Pourquoi? Et je l'ai, parce que je l'ai créé le vendredi soir. Et pourquoi je l'ai créé le vendredi soir? Parce que le Shabbat, il est pour Am Israël. Donc, tu ne peux pas maudire les bénis Israël, parce que le fait qu'ils vont respecter le Shabbat, ils sont déjà bénis. Parce que le Shabbat, il bénit. Alors, écoutez très bien, mes amis. Le mot Aton, Aton, c'est la naisse. Alors, Ha-Aton, c'est la naisse. Alors, moi, j'ai pensé comme ça. Le mot Ha-Aton, il y a le He. Le He, c'est 5. C'est les 5 livres de Torah. Ha-Aton, Aleph, c'est quoi? Ha-Aton, de Aleph, Atab, c'est 22 lettres de la Torah. Il y a Aleph, Bet, Gimed, Aleph, He, Vav, etc. jusqu'à Atab. De Aleph jusqu'à Atab. Ha-Aton. Après, il y a le Vav. Le Vav, c'est le symbole du Shabbat, le vendredi. Je vous dis que Adam Harishon a été créé. Aton, Yunun, c'est les 50 degrés de Kudosha. Ça veut dire que ce Aton, il a dit à Bilham, Bilham, mais t'es fou. Tu veux me dire les Juifs qui vont accepter les 5 livres de Torah. Cette Torah qui est composée des 22 lettres de Torah. Ce Adam qui a été créé le vendredi pour servir à Kadosh Baruch Hu. À quoi, c'est quoi le but du monde? C'est pour la Torah. Et c'est ça ce que tu veux faire. Et qui peut arriver jusqu'à 50 degrés de pureté. Vous imaginez, mes amis, la naissance de Bilham est faite de remarques à Bilham. Bon, je vous protège et on continue demain. Bonne santé pour vous tous. Longue vie pour vous tous. À demain. Merci.